Alors, hello, les chers co-créateurs. Donc, ici Xavier, et j'avais commencé mon défi des 100 jours alimentation. Donc là, j'ai dépassé les 25e jours, qui était donc mardi, et donc, c'était proposé de faire une vidéo. Bilan récapitulatif. Alors, moi, je trouve déjà que ça fait du bien de faire avec un cahier. J'étais pas du tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça fait scolaire et tout. Et en fait, non, je prends beaucoup de fun. Bon, j'avoue, j'ai loupé quand même des jours ces derniers jours. Mais. Chaque jour, il y a quelque chose à faire et ça, je trouve ça fun et amusant. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir chaque matin à découvrir le petit truc à faire, quoi, comme manger de la main gauche. Et bon, alors j'ai eu tendance à oublier quand même. Mais voilà, ça prend le plaisir. J'ai beaucoup aimé. Ouais, des trucs par exemple le succès j'ai nettoyé le frigo de fond en comble et un jour c'était la cuisine ressentir un peu la cuisine et tout donc moi j'aime bien ma cuisine pour les couleurs tout ça par contre je vais refaire le sol parce que le sol il est pas bon du tout et alors tiens c'est un petit tuyau astuce moi j'écris des mots sous les lames de plancher sous le sol en fait amour paix. Ça reprend, voilà, pour amener des énergies. Donc, je ferai ça. J'ai le soldat clean à faire. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ça. Et c'est vrai que ça amène beaucoup de conscience de la non-conscience. Je m'explique. C'est, ouais, j'ai vraiment conscience que je marche par automatisme. Et ouais, ça. C'est vraiment. Voilà. Alors, sinon, j'ai adopté un rituel. Et. Je le faisais déjà avant, mais je le fais encore plus. Donc, c'est la respiration consciente avant de manger. Et je le fais même, genre, je l'ai fait avant de faire cette vidéo. Je le fais souvent quand il y a un téléphone qui sonne, etc. Et en plus, je lis La sérénité de l'instant de Thich Nhat Hanh. Donc, qui rejoint vraiment la pleine conscience. Donc c'est faire trois respirations. Du coup ça en fait même plus, ça fait six. Parce que c'est j'inspire, je me calme. J'expire, je souris. J'inspire, moment présent. J'expire, merveilleux moment. Et j'inspire. Je me calme. Voilà. Je suis très heureux des nouvelles expériences. Je me rends compte de la différence entre la tête et le corps. J'adore cette intention. Que me dit le corps, en fait? Parce que je suis vraiment. C'est vraiment un clash. Ces derniers temps, c'est vraiment ça. C'est entre le corps et le mental. Et vraiment revenir par le corps notamment, ça m'aide beaucoup à qui je suis, qui suis-je, et arrêter ce bordel. Voilà, donc moi j'adore, je prends beaucoup de plaisir, merci.